À 7 800 000 euros. Personne ne coupe l'enchère de 7 800 000 euros. L'enchère est avec Florence. Pardon. 8 millions dans la salle. Florence. 9 millions. Monsieur. 10 millions. 11 800 000. Un autre téléphone. En voulez-vous, monsieur? 12 millions avec Thomas. 13 millions. 14 millions avec Thomas. 15 millions. 16 millions. C'est avec Guy toujours à 16 millions d'euros. 17 millions. 18 millions. 19. Veux-tu 20 millions, Florence? Contre vous. 21 millions. 22 millions. 23 millions. 24 millions. Voulez-vous 25 millions, madame? 25 millions. Oui, 26 millions. À 26 millions. Adjugé 26 millions de cigarettes. Soudain, 30 millions, 40, 50, ça ne compte plus. Je veux dire, quelle est la différence entre 20 et 40 millions? En fait, l'argent a pris le pouvoir sur l'art lui-même. Is there speculation in the art world? Absolutely. The art world is filled with speculation. Jeff Koons, 23 600 000 dollars. Warhol, 43 800 000 dollars. Lucian Freud, 34 millions de dollars. Edouard Munch, 119 900 000 dollars. L'œuvre la plus chère du monde en vente publique, achetée en 12 minutes. Il y a un parfum d'indécence dans ces prix exorbitants. Les milliardaires du monde entier se ruent sur l'art comme sur l'or ou le pétrole. L'art a basculé du domaine de l'esprit vers celui de la finance et de la spéculation. C'est l'histoire de cette révolution que raconte La ruée vers l'art. Il y a un chapitre d'un livre là, que je veillais être, ce chapitre je vais le lire, qui s'appelle « Après le musée, avant Disneyland ». Daniel Granet et Catherine Lamour sont deux journalistes grands reporters qui, depuis plusieurs mois, enquêtent sur le monde de l'art. Des artistes contemporains, ça c'est vachement utile. Hein. Ah, Damien Hirst, first. Évidemment. Elle trace peu à peu les contours de ce milieu opaque et exclusif où n'entre pas qui veut. On ne peut pas tout faire, mais enfin, il va falloir faire des... J'ai commencé à les filmer, je ne vais plus les lâcher. Nous n'appartenons pas au sérail des critiques d'art, c'est un atout. Personne ne s'occupe, ni ne se méfie de nous. J'ai besoin de ton aide. On désirait interviewer François Curiel, le président de... Toutes les trois, nous allons nous glisser dans le grand barnum de l'art contemporain qui se déploie à travers le monde. À bientôt. C'était Jean-Génie Adam. Nous allons découvrir ce qui, jusqu'alors, était réservé aux seuls initiés. La foire de Bâle a lieu chaque année au mois de juin. On est sûr d'y voir défiler tout ce que le monde de l'art compte de tête d'affiche. Aujourd'hui, jour de l'inauguration de la foire,
nos cartes de presse nous permettent de nous mêler aux VIP. C'est la ruée chez les chercheurs d'art. Ils sont prêts à se marcher dessus pour entrer. On nous a raconté que la veille du vernissage, un collectionneur très connu s'était déguisé en homme de ménage pour être sûr d'entrer avant les autres et de rafler les bonnes affaires. Nous cherchons les grands Manitou qui arpentent les allées de la foire. Celui-là, c'est Martin Margulis, un gros collectionneur de Miami. Il cherche sans doute des pièces rares à ajouter aux 3000 œuvres qu'il possède déjà. Lui, c'est Simon Dupuri. Il fait partie de la caste des commissaires-priseurs vedettes. Il est célèbre pour avoir fait une vente en musique avec Lady Gaga. Elle, c'est Dominique Lévy, une galeriste très lancée à New York et à Los Angeles. Nous n'appartenons pas à leur monde, nous n'existons pas à leurs yeux. Selon des codes inconnus de nous, ces gros bonnets mènent leurs affaires en circuit fermé. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on va chez Gagosian ? Si Gagosian, on va voir ça. Alors, Gagosian, c'est le chien de... Le ténor incontesté de ce cénacle, c'est Larry Gagosian. Il représente les artistes les plus cotés et pèse près d'un milliard de chiffres d'affaires annuels. Du jamais vu. Nous tentons de l'approcher. Larry Gagosian n'aime pas les questions. Sa réponse est sans appel. Don't touch me, ne me touchez pas. Tenter de lui parler est un crime de lèse-majesté. Il a vu ma caméra et me prend en photo. Cet homme a quelque chose d'inquiétant. Toute la foire parle du stand des frères Namad qui montre un ensemble très rare de Miro de 1936. Les Namad sont de puissants marchands d'art moderne installés à Londres et à New York. David Namad est connu pour sa discrétion. Comme Larry Gagosian, s'il donne une interview, c'est en présence de ses avocats. Ce jour-là, heureux du succès de son stand, il va bavarder avec nous sans se préoccuper de ma caméra. Monsieur, c'est un appel de Dubaï. Le snobisme a besoin de faire quelque chose de sensationnel. Ils ont besoin de grands prix. Si ce n'est pas quelque chose d'inabordable, les gens ne sont pas intéressés. Vous pouvez acheter un sac Hermès à 200 000 euros parce que c'est un sac Hermès de 200 000 euros. Donc s'ils le mettent à 500 000 euros, il y aura toujours un acheteur. Oui, donc pour s'ils le mettent à 1 million d'euros, il y aura encore plus d'acheteurs. Le problème avec les nouveaux artistes, c'est que la spéculation vous empêche de voir clair. Vous voyez tout d'un coup un jeune artiste qui vaut déjà 10 millions de dollars. Alors il n'y a plus, on est perdu, on ne sait plus quoi. Si c'est les 10 millions de dollars qui le font devenir important ou si c'est lui qui est important. Ça confond. Quand Miro a peint ses tableaux, ça valait rien du tout. Les Miro étaient invendables. C'était invendable. Mais ces tableaux étaient invendables jusqu'à il y a 20 Picasso ans. Picasso était bon marché. Picasso était invendable. Léger était invendable. Tous les grands artistes étaient invendables parce qu'ils n'ont jamais voulu faire quelque chose qui plaisait à l'époque. Parce que c'était des gens qui croyaient en ce qu'ils faisaient. Nous cherchons Pierre Hubert, le grand marchand suisse, l'un des fondateurs de la foire de Bâle. Il est déjà reparti pour Genève, mais il est d'accord pour nous recevoir chez lui. Dans ce milieu, Pierre Hubert est un personnage des plus atypiques, connu et redouté pour sa liberté de parole. Ah, c'est 5 heures, ils sont en train de se faire vider du portefeuille. La première œuvre que j'ai montrée de Subodh Gupta, c'était à New York, à l'Armory Show. Il a fait une grande installation. Et l'artiste était assis dans le coin d'un stand.
Ils regardaient les gens passer et ils voyaient qu'en fait, ça intéressait personne, n'est-ce pas? Quelques personnes posaient des questions et ça intéressait surtout pas les gens qui sont en train d'acheter maintenant comme des fous ce bout de coupe-tard. Donc moi-même, à la fin de la foire, le dernier jour, j'ai téléphoné à quelques amis à New York et j'ai particulièrement téléphoné à un ami à New York. J'ai dit, écoute, j'ai un artiste formidable, viens voir cette œuvre. Achète cette œuvre, il a acheté cette œuvre pour 12 000 $, il l'a mis dans son dépôt, et quelques années après, il l'a revendue pour 60 000 $. Deux ans après, il l'a revendue pour... Tout à coup, c'est devenu quelque chose qui était devenu à la mode. 10 ans plus tard, les œuvres de Subho Gupta atteignent le $1 million. Qui en a profité au passage? It is true that the landscape of the art world is made up of a lot of participants like auction houses and galleries and collectors and museums and curators, all of whom have an interest in the success of the other. A museum wants to have its curators find the next great artist. The galleries want to have their artists become the next great artist. The auction houses want to resell that work to other collectors. So you see, they're all in bed together. Que veut nous dire cette installation de deux artistes chinois qui met en scène une bande de vieillards déboussolés représentant les anciens maîtres du monde? La société du spectacle serait-elle en train d'enterrer le vieux monde où Dieu et l'art étaient les valeurs suprêmes? Cette œuvre s'appelle The Collector, un collectionneur qui semble avoir perdu tout espoir. Qui sont ces collectionneurs d'art contemporain qui dépensent des sommes colossales pour des œuvres dont la valeur marchande est incertaine? Je pense que le marché de l'art contemporain est très dominé par les nouvelles fortunes, les new rich. Effectivement, que ce soit financier, par exemple les hedge fund managers, que ce soit les gens en Russie qui se sont enrichis grâce au pétrole, que ce soit ou d'autres formes d'énergie, que ce soit les gens du Moyen-Orient, les Chinois. Effectivement, ce sont des goûts de new rich et en fait, il y a eu énormément de liquidités dans le monde depuis 10 ans et effectivement, cet argent est parti. Mais cet argent est aussi parti dans les yachts, dans les Rolex, dans les toutes sortes de produits de luxe. Hein. Quand le gars il s'achète sa troisième Ferrari, qu'elle soit jaune, verte ou bleue, le voisin, s'il a aussi les moyens, il peut s'acheter la même couleur et la même Ferrari. Quand quelqu'un s'achète un tableau, un collectionneur ou un milliardaire s'achète un tableau de Warhol ou de Basquiat ou d'un autre artiste connu sur la planète, il s'achète une image, il a son joujou à lui, qui est autre qu'une voiture. Alors, vous avez fait vos milliards dans un hedge fund, vous achetez votre grande maison à Greenwich, et vous invitez vos amis des hedge funds. Vous n'allez pas les épater avec un clou de bras. Personne, les autres ne vont même pas le regarder. Mais vous allez les épater avec Warhol, parce qu'ils vont tous reconnaître, ah, vous avez un Warhol. Ou bien vous allez payer le prix fort. Ah, c'est toi qui as payé, qui as surenchéré. Et je connais des gens qui surenchèrent pour être sûr d'avoir payé le plus haut grand prix, pouvoir dire à tes amis, c'est moi qui ai payé les 40 millions pour ceci, cela. Alors, comme ça, on épate tout le monde. Et ça marche un peu comme ça, hein, l'art contemporain. Nous partons pour Londres pour rencontrer Charles Saatchi, un des pionniers dans la marchandisation de la culture. Avec une poignée de précurseurs malins, il a contribué à saper les fondements de l'ancienne aristocratie de l'art. Charles Saatchi est le publicitaire qui inventa, entre autres, un slogan qui fit gagner les élections à Margaret Thatcher en 1979. C'est à cette époque qu'il a commencé à appliquer à l'art les méthodes qui ont fait sa fortune et son succès dans la pub. Des images chocs, des slogans dérangeants, des expositions qui deviennent des happenings. Yes.
Snatchy est le roi pour lancer un produit avant même que les consommateurs réalisent qu'ils vont l'aimer. En 1992, il va jeter son dévolu sur de jeunes artistes rebelles et créer un mouvement dont Damien Hirst est le chef de file. Visionnaire, provocateur, spéculateur, les épithètes ne manquent pas. En tout cas, Charles Saatchi a inventé la martingale pour fabriquer des artistes stars. Charles Saatchi, il est à la fois collectionneur, mais il est aussi marchand, dans le sens qu'il achète et il revend beaucoup. Il suffit que Charles Saatchi regarde un artiste, même sans l'acheter, et les gens disent « Ah, Charles Saatchi l'a regardé ». Et donc, on suppose que sa cote va monter, parce que l'aspect financier est complètement imbriqué là-dedans. L'occasion pour nous de rencontrer l'insaisissable Charles Saatchi, c'est l'inauguration de sa nouvelle galerie. Il a obtenu le privilège d'occuper en plein centre de Londres un bâtiment de l'armée royale anglaise. C'est l'événement mondain de la saison londonienne. Cette soirée, c'est lui qui l'a organisée, mais il n'y paraîtra pas. Les photos et les interviews de Charles Saatchi sont rares. Il n'aime pas la foule, il fuit la presse. Damien Hirst, l'ancien bad boy de Saatchi, est devenu un des 10 artistes contemporains les plus célèbres. La tête moderne de Londres lui consacre une grande rétrospective. Pharmacopée, animaux étripés, créatures nécrosées, les œuvres de Damien Hirst dessinent les pathologies de la société. Les animaux dans le formol ne se conservent pas éternellement. Les mouches elles-mêmes ne vont-elles pas se lasser de leur participation à cette œuvre-là? Le prix de son requin dans le formol donne le vertige. 12 millions de dollars et 100 millions de dollars pour ce crâne de platine incrusté de 8601 diamants. La postérité jugera l'artiste, mais le marché a déjà jugé le businessman. Génial. Damien Hirst est dans le peloton de tête des artistes contemporains avec deux autres, un japonais et un américain, dont les cotes se chiffrent en millions de dollars. Takashi Murakami a réussi à imposer la culture pop japonaise au monde entier. Il séduit des générations nourries de mangas. Jeff Koons est l'artiste vivant qui se vend le plus cher. Ses œuvres, dont les Américains raffolent, ressemblent à de gros jouets. Elles ont suscité la polémique lors d'une exposition très médiatisée au château de Versailles, encensée par toute l'intelligentsia. Trois artistes devenus de véritables hommes d'affaires. Ils font réaliser leurs œuvres par des centaines d'assistants et produisent à plein régime pour répondre à la demande du marché. Qui en a fait des stars mondialisées? Larry Gagosian, bien sûr. Il a tissé une toile pour attraper les artistes qui font de l'or. 15 galeries dans les capitales du monde lui permettent de promouvoir simultanément ses artistes dans les lieux qui comptent. Charles Saatchi, qu'il connaît bien, dit « J'adore Larry, mais quand je lui serre la main, j'entends la musique des Dents de la Mer. » On pourrait démonter le système du marché en disant
Je vous donne le phénomène Damien Hirst, n'est-ce pas? Vous avez un galeriste à Londres qui fait l'expo de Damien Hirst. Il est enchui avec un grand collectionneur qui s'appelle Saatchi. Saatchi organise des expositions de Damien Hirst. Là-dessus viennent se greffer certains collectionneurs. De ces collectionneurs viennent se greffer des galeristes, souvent des gens qui n'ont même pas une idée culturellement sur l'art. Je ne dis pas forcément que Damien Hirst, c'est pas un mauvais artiste, hein, c'est certainement un très bon artiste, mais disons, d'aller aussi loin du développement du système économique, ça n'a aucune commune mesure avec le système culturel. On ne peut pas tout à coup penser que parce que Damien Hirst se vend à 5 millions de pounds, que c'est forcément un meilleur artiste que John Armleder qui se vend à 60 000 dollars, n'est-ce pas? Seulement, ça, c'est un produit qui est développé dans un marketing extraordinaire. Et là-dessus se greffent les maisons de vente aux enchères. Et alors, on joue avec tout système commercial qui est un système qui est développé comme si aujourd'hui on développait le McDonald's, n'est-ce pas? Le monde de l'art est devenu un vaste supermarché à l'échelle de la planète, sous l'influence des deux plus grandes maisons de vente aux enchères anglo-saxonnes, Christie's et Sotheby's. Chaque coup de marteau fait jaillir des millions. C'est au moment des grandes ventes de mai à Hong Kong que nous avons obtenu un rendez-vous avec François Curiel, le très influent président de Christie's Asie. François Curiel a été l'initiateur de l'ouverture aux particuliers des ventes aux enchères, qui avait toujours été le précaré des professionnels. Dans les années 70, quand j'ai commencé à travailler chez Christie's, les ventes aux enchères étaient fréquentées par une dizaine ou une quinzaine de marchands qui achetaient les objets entre eux. Quand un particulier venait dans une vente aux enchères et essayait d'acheter quelque chose, les marchands le foudroyaient du regard. On ne lui disait rien, on le laissait acheter, mais enfin, ça faisait un peu peur. Les marchands étaient assis au premier ou au deuxième rang. Personne n'osait s'asseoir au premier ou au deuxième rang. Les catalogues étaient très succincts. Une photo, de temps en temps, beaucoup de descriptions vraiment faites pour des professionnels, donc qui n'expliquaient pas vraiment aux particuliers ce que c'était. Et puis, dans les années 80, on s'est dit, on a commencé à devenir global, à avoir des catalogues beaucoup plus illustrés, avec des grandes descriptions. Et je pense que ça a fait qu'aujourd'hui, plus de 65% des acheteurs dans les ventes de Christie's sont des particuliers. Les ventes sont devenues des spectacles. Les commissaires-priseurs, de véritables vedettes. Andrea Fusinski a fait le voyage de Los Angeles pour conduire cette vente. Sur tous les marchés financiers et boursiers, le délit d'initié est condamné. Le marché de l'art fait exception. Ici, être initié fait partie des mœurs pour le plus grand bonheur des investisseurs bien informés. Last chance then, fair warning, and we're selling this side for 12,500,000. 12,500,000. La messe est dite. Le prix d'adjudication est instantanément connu du monde entier par Internet et détermine la cote de l'artiste. Un des symboles de ce vertige qui a saisi les enchères, c'est une des trois panthères roses de Jeff Koons. Estimée à 600 000 dollars, elle monte à près de 2 millions de dollars chez Christie's en 1999. Elle est revendue à 16 800 000 dollars 12 ans plus tard chez Sotheby's. Elle a gagné sans bouger presque 1 million de dollars chaque année.
Le calendrier du monde de l'art est immuable. En juin, il faut être à la Biennale de Venise et nous y sommes. Ici, on ne vend rien, on montre. C'est la vitrine de l'art contemporain, la rampe de lancement des nouvelles valeurs exposées dans les pavillons de 70 pays. Dans la foule, nous tombons sur une connaissance, Fabrice Hibert, artiste à succès de la scène française, primé ici même en 1997. Fabrice Hibert est un inconditionnel de l'américain Bruce Nauman. Des têtes coupées avec des mimiques, des comportements, autant la sculpture que la vidéo, que le néon. Au pavillon français, Claude Lévesque expose les drapeaux noirs de la Révolution derrière des barreaux scintillants. Il n'y a pas foule. Dans le pavillon russe, par contre, c'est l'exubérance. Eva et Adèle se sont autoproclamées « The Hermaphrodite Twins in Art ». Elles squattent toutes les manifestations avec l'ambition d'être considérées comme des œuvres d'art ambulantes. Sur le podium trône la flamboyante Olga Zvidova, directrice d'un musée d'art contemporain à Moscou. Elle présente une nouvelle génération d'artistes russes comme une maîtresse de ballet présenterait ses danseurs. Une des obsessions des milliardaires est de réussir à amarrer leur yacht au plus près de là où ça se passe. Et cette année, ça se passe à la Punta della Dogana. François Pinault, qui a fait fortune dans l'industrie du luxe, organise le lancement planétaire de sa fondation pour l'art. Nous profitons de la bousculade pour nous glisser jusqu'à lui. Je ne peux pas vous le dire. C'est secret. My secret. Non, mais un petit plus. Pour l'instant, je n'ai pas beaucoup de temps. Je me suis occupé depuis quelques jours. Où est-ce qu'il est le maire? Où est-ce qu'il est monsieur le maire? Il est là. Tout est sous contrôle. Les dossiers de presse sont distribués et les journalistes du monde entier diffuseront les mêmes photos et les mêmes informations. Contrairement aux chercheurs d'or d'autrefois qui partaient à l'aventure, les chercheurs d'art aujourd'hui fabriquent eux-mêmes les filons qu'ils vont exploiter. La guerre, la mort, l'amour, tout ce que vous voulez. Non, mais surtout la guerre et la mort. La maladie, la mort. Est-ce que vous intéresse ? Bien sûr, les artistes s'expriment à travers ces émotions de la vie. François Pinault a une carte supplémentaire dans sa manche. Il est propriétaire de la maison d'enchères Christie's qu'il a eu le flair d'acheter en 1998. Il maîtrise ainsi la vente de ce qu'il achète. L'Art Advisor est devenu un personnage clé dans la relation artiste-marchand-collectionneur. Philippe Segalo est parmi les mieux introduits et les plus connus. Il joue au prix des milliardaires d'aujourd'hui le rôle autrefois tenu par les historiens d'art qui conseillaient les princes. Entre 10 à 15%. Quoi. Ensuite, pour le tout venant, pour les œuvres de qualité moyenne, la révision est beaucoup plus sévère, peut-être 50%. Le rideau Gouttelette de sang de Félix González Torres. Le cheval de Maurizio Catlan, la tête plantée dans le mur. La gamme de crâne de Matthew D. Jackson, un nouveau venu.
Le collectionneur milliardaire possède plus de 2500 œuvres parmi les plus recherchées. Les fastes, les palais, les courtisans, avec l'art contemporain comme faire valoir, les capitaines d'industrie se posent en aristocrates de notre époque. Artiste ou marchand, il faut passer par New York pour être reconnu. C'est là que se réalisent 40% des transactions du marché mondial de l'art. Un marché dont les contours restent flous. Jim Hedge a créé un fonds d'investissement dans l'art. Il habite un quartier à la mode, près de Washington Square. It's an incredible time right now. Art has been one of the best investments you could make over the past 5 years. In spite of all the economic crises, in spite of the recessions, what we've seen is that more and more collectors have become investors, and more investors have become collectors of fine art. So we've seen an enormous amount of capital flowing into the art world. And when more money comes into a market, it makes the prices go up. Additionally, we know that in the art world today, that there are a lot of people that use art as a currency. So for instance, if you live in Russia, if you live in Brazil, if you live in Africa, you might look to art as an investment portfolio asset, as a currency that you could use in the process of managing your wealth. So if you think of this enormous market, if you think of it as a pie, that has $70 billion of sales, maybe only a quarter of it is coming from the auction houses, and then probably two-thirds is coming from private galleries and private dealers. What that means is that we have no real visibility on the art marketplace. En mars, à New York, c'est l'Art Maury Show, la plus ancienne foire d'art du monde créée en 1913. Pour l'occasion, les collectionneurs ouvrent leurs portes pendant une matinée à quelques centaines d'invités. Tout ce qui est sur les murs a un prix. Eva et Adèle font partie des meubles. Elles sont là pour être vues. Un de nos contacts, Philippe Segalo, le conseiller en art que nous avions connu à Venise, vit à New York. Il a eu l'astuce de réinventer au bon moment les règles du jeu en vigueur dans l'art contemporain. Et moi, j'ai dirigé pendant 3 ans, on est mondialement sur le département de l'art contemporain. On a fait un certain nombre de choses. Ça a été une période extraordinaire. Je crois qu'on a beaucoup innové, on a un peu changé la façon dont l'art contemporain était vendu au grand public. Et on a changé jusqu'au tout, quoi. Il y avait, je me souviens à l'époque, chez Christie, il y avait une branche, le dimanche, pour l'art contemporain, les jardiniers, le dimanche, c'était très chic, etc. Et puis on a changé ça et on a fait des soirées incroyables, quoi. On a fait, à l'époque, je me souviens, comme on avait vendu la Panthère Rose de Jeff Koons. Oui. Bon, j'avais fait la couverture d'un de mes catalogues. On a fait une soirée Think Pink, rose, chez Christie's. Tout l'immeuble Rockefeller Center était illuminé de roses, les gens étaient déguisés. Ça a créé une atmosphère différente pour les vendeurs contemporains. Une atmosphère plus joviale, quoi. Et je pense que le rapport entre les maisons de vente et les collectionneurs d'art contemporain et les artistes, à ce moment-là, et les galeries, a changé. Nous suivons Philippe Segalo pendant 2 jours au fin fond de Brooklyn, pour découvrir avec lui les valeurs montantes de la création artistique. Matthew D. Jackson est un nouveau venu dans l'écurie des collectionneurs. I don't want to grow in scale or in terms of having a lot of employees and
and producing a lot of things that I don't see or have my hands on. My role is just to sometime to enable him to realize his projects, opening some doors and introducing him to some people, you know. But I have no influence whatsoever on his art. He's such a good artist. I mean, and I'm not. Alors, quand François Pinault veut acheter une œuvre de Matt D. Jackson, il doit attendre ou il passe devant tout le monde? Il passe devant tout le monde. Non, mais alors, quand j'ai vu l'exposition, je suis sorti de la galerie et j'ai appelé François Pinault. Et je lui ai dit, voilà, j'ai vu quelque chose, il faut que vous le voyez. Je peux vous envoyer des images, mais ce serait dommage. Il faut que vous le voyez, quoi. Il est venu à New York, il a vu l'exposition, il a trouvé fantastique. Il y avait des choses qui étaient vendues qu'il n'a pas pu acheter, ça l'a énervé. Mais tout de suite, il a demandé à rencontrer l'artiste. Ils sont tout de suite, vous sentez qu'il y a eu une connexion immédiate. Il l'a invité tout de suite à montrer à la pointe de la douane, au milieu de ses pairs, d'artistes extrêmement reconnus. C'était un risque qu'il prenait, mais il savait qu'il avait affaire à quelqu'un de différent. Et Matt a produit une salle magnifique à la pointe de la douane pour l'exposition inaugurale. Donc, en fait, je viens ici pour voir ce qu'il fait, me nourrir de ce qu'il me dit. Parce que vous rentrez ici d'une certaine façon et vous en ressortez plus intelligent. Le lendemain, nous retrouvons Philippe Segallo chez une star montante, Urs Fischer, un Suisse-allemand installé depuis des années à New York. Le patron conçoit, l'équipe exécute. Comme ses contemporains, Urs Fischer fait travailler un atelier. Son inventivité, sa production foisonnante font de lui un artiste prometteur, à la fois pour les galeries et pour les collectionneurs. C'est comme quand on print des choses, on fait tout le screening de ces choses, et on est sur nos genoux ici quand on print. Peut-être qu'on peut le voir très vite. Quand ils printent, alors vous comprenez. Donc, vous savez, on construit des couleurs différentes. Donc, tout est fait. Here, yeah. Inside. So that's why we don't have a canvas, because I like this smooth surface. I don't like the way we have very thin paint. Urs Fischer prépare une exposition pour l'incontournable Gagosian. Une exposition très people dévoilée au tout Hollywood au moment des Oscars. Yeah. You know, on the other ones, we try, it doesn't work, we send it down, we try, boom, boom, boom. I always love these kind of promotion shots because they're more, they look like classical, like sculptures or like antique sculptures, you know. There's something classical and not personal. There's something far away about this, you know. There's one or two, you know, who it is. Most of them, it becomes kind of obscured. Yeah. And you say, no, you know, with the object right in their face, you make them look, you know, obscure. Yeah. Ideally, you will not know who it is. That's my, where I come from. Okay. But, you know. Well, I mean, they are certainly going to be very popular works, you know? Well, let's see. Let's hang them outside of here. I can't see it anymore, you know? I can't wait till it all goes out. La compagnie des artistes est un très, très grand privilège dans notre domaine. Et de pouvoir les côtoyer, et surtout les grands artistes, est une chance folle. En collectionnant l'art contemporain, vous rentrez dans... Vous collectionnez, vous rentrez dans un... C'est changer de vie, finalement. Vous rentrez dans un style de vie différent. Vous devenez un acteur d'un monde où vous allez dans les grandes ventes à New York, à Londres, vous allez dans les grandes foires contemporaines, à Bâle, à Miami, et vous rencontrez des artistes, vous visitez les studios. Je veux dire, c'est extrêmement excitant. Vous avez l'impression d'être acteur de quelque chose qui est en évolution, qui se passe sous vos yeux. Début décembre, toute la Jet Set se retrouve à Miami pour la semaine d'Art Basel Miami Beach, la fiesta la plus débridée du circuit de l'art. Dès notre arrivée, nous tombons sur l'artiste allumé de la bande des Russes, Alexandre Ponomarev.
la Foire de Miami, c'est le festival de Cannes du monde de l'art. Il faut savoir se débrouiller pour entrer au brunch dans les jardins du Sagamore Hotel, un lieu mythique de la période Art déco. On y côtoie les manias de la finance et de l'immobilier et les riches retraités mélangés aux artistes, aux galeristes, aux directeurs de musées. Alexandre Ponomarev nous entraîne à la présentation d'Olga Ziblova et de sa bande d'artistes russes à l'imagination explosive. Après le vernissage, nous suivons nos amis dans les fêtes délirantes qui durent toute la nuit. Le business et la fête font bon ménage. C'est vrai, on s'amuse à Miami. Nous sommes ici, c'est avant tout pour rencontrer les rubels qui font partie des 10 plus grands collectionneurs de la planète. Nous avons échangé des mails depuis des mois, nous devons les rencontrer ce matin. Le petit déjeuner arctique offre les rubels chaque année est organisé comme une performance artistique style cantine d'entreprise. Vraiment, on ne fait pas plus snob. Mera et Don sont depuis une quarantaine d'années des chercheurs d'art obsessionnels. In the last three months, we've been to China, Japan, Los Angeles, London, Paris, Abu Dhabi, New York, Washington, Boston, wherever the art is, we go. We have a packed suitcase all the time. So whenever an idea comes, we take our suitcase and we go there. Why, by the way, Oh my God, it was outrageous. Les rubels ont amassé un trésor. Ils possèdent aujourd'hui quelques 4000 œuvres. Plus que beaucoup de musées. Ce sont des célébrités, quand ils s'arrêtent sur un stand, toute la foire en parle. Leur plaisir, leur privilège est de partager leur journée et leur soirée avec des artistes, des directeurs de musées et d'autres collectionneurs. When you were speaking about that, you said two images a year. A year, exactly. That you bought.
I'm interested in Jeff. Well, we became interested in Jeff Koons because I'm an immigrant to America. Yeah. See, and for me, when I saw Jeff Koons, the first thing I ever saw Jeff Koons was the new. He would take these vacuum cleaners, and he would put all these lights under the vacuum cleaner, and he would put rug shampoos. And he actually, there was one an exhibition that he actually did in his own apartment where he took like full washing machines and put lights on. And you know, he celebrated something that I, being an immigrant to America, was completely blown away by. He saw American people. It was the way he celebrated American consumerism was the way he articulated something that I was experiencing, this gee whiz, oh my God. All these people, they just take all of this for granted. You know, I came from a world that didn't have this. I was like so excited that he saw it. He created sculpture out of the things that I became so enchanted with, the idea of the consumer product that made your life so much easier, so much better. So that was Jeff Koons. Les rebelles nous plaisent. Ils nous adoptent. Ils nous invitent à les suivre à Madrid, où ils vont montrer une partie de leur collection à la fondation de la Banque Santander. El paro es allí, ¿no? Ah, vale, no la veía, perdona. Oh, Mera, the leading collectors are like stars. Hello, how are you? Hello, nice to see you. Les rebelles sont accueillis comme des chefs d'État par les directeurs de la banque. Let's go into the foyer room. Everywhere you look, we're in love with all of these. I know. Let's go to Sicily and Kalisko and Kondo. Moro Kali was the first artist to combine traditional Japanese art. These he did himself. These were all done before he had the... Well, the studio practice. Before he became before an the studio practice. It's not a studio product. No, this is not a studio these product. These no, are no, the early no. ones that were done by him. No, these are very, very where early. Where did you find that? Oh, in Japan. In Japan. In Japan, yes. In Japan. Well, because when we first started buying... In the gallery? Well, no, we always... Look. When we first started buying him, he yes. didn't have... A it was studio. 1999. Now, you know, this artist, we met him in New York in 2000. Zhang Guan est l'un des premiers artistes chinois entrés dans la collection des rebelles. He was actually washing dishes in a restaurant in New York. And then one day, he was put into an exhibition called Inside, was it Inside? It was a Chinese exhibition mm-hmm. at PS1. And his life changed. We met him just around that time. And we just knew him as a photographer. We didn't realize that he would go on to develop into like this extraordinary painter mm-hmm. and sculptor. If you go now to Shanghai, mm-hmm. he has 200 people. 200 people. He owns an entire village mm-hmm. and he has 200 people that work for him 24 hours a day, making... Do you see these paintings? These are all made from ash. And he has
three people that go to all the Buddhist temples just collecting the ash. And the color is made by the different color of the ash. Les grands collectionneurs donnent le ton. Ils font figure de miroir aux alouettes pour les petits collectionneurs et le grand public qui veulent eux aussi placer leur argent et s'offrir une part du gâteau. C'est cela aussi la ruée vers l'art, un marché qui s'organise pour servir toutes les clientèles. Des heures et des heures de queue pour entrer à la FIAC de Paris. Pour être dans le coup aujourd'hui, il faut être arty comme on était rock dans les années 60. La galerie Gagosian expose une œuvre de Warhol qui fait partie de la série Les Peace Paintings. Elle est faite avec l'urine du peintre, sans signature. Et quel est le prix ? 4 millions de dollars. 4 millions de dollars ? Je pense que c'est peu 4 millions. Ça devait coûter 40 millions. Mais l'idée de viser sur une toile avait déjà été faite, malheureusement, 65 ans auparavant par Marcel Duchamp, qui a exposé le fameux ready-made qui était la pissotière qui se trouve au musée d'art moderne de New York. Parce que c'est comme ça, le marché est comme ça. Le marché est difficile, il n'y a pas d'œuvre d'art. Lui, c'est mon élève, par exemple. Bonjour. 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 Twenty-five years ago, there were two art fairs, Basel and Chicago. Now there maybe are 45 art fairs around the world. And I felt like it was time to stop and actually look at what's going on, because the art world was this big when I started, and now it's this big. And it involves Brazil and Russia and India and China and new collectors and new fairs. In one six-week period, I went to Sao Paulo, Berlin, Toronto, Los Angeles, London, and Paris. And you really get an idea then of what's going on internationally. Paris, c'est le luxe, le chic, l'art de vivre. Mais ce n'est plus comme autrefois la capitale de l'art. Il n'y a plus de capitale de l'art. L'art est devenu l'affaire du monde entier. L'art, comme le luxe, suit l'argent. Dubaï, c'est la nouvelle riviera des riches moyen-orientaux et des oligarques russes. Avoir côtoyé les rubelles est une référence qui nous ouvre les portes des autres collectionneurs. Nous sommes reçus par le docteur Farjam, qui a installé à Dubaï sa prestigieuse collection d'art islamique. Avec ses acquisitions d'œuvres modernes et contemporaines, il est entré dans le clan des grands collectionneurs internationaux. First, my interest was in Islamic, and then it evolved into contemporary Middle Eastern, eventually into Western art. I started with the Impressionists, and here you see a beautiful Renoir, which I'm in love with. Yes. This is Boudin, very wonderful Boudin. And you have, of course, the Miro and Chagall, and Salvador Dali, Ming. One of my favorites, Jeff loves this because he did this with his fingers. The process of creating this was extremely complicated and difficult. But there is one that today, without a doubt, a global artist, and that is Farhad Moshiri. Yes, he's a star now. Yes, he's like a star. Farhad is great, he's global, he has collectors all over the world. Farhad Moshiri's diptych
called The Cowboy and the Indian. A phenomenal, lovely work. They should be put next to each other. And as I tell you, he reinvents himself, the artist. Dubai, since 20 years ago, has become the hub of the Middle East. Dubai has now the best communication. Dubai has the best services. Dubai has the best airport, the best hotels. And what would obviously come with that would be the culture and the museums now and the art scene that you see. 10 years ago, we had one art gallery. Today, there are over 50 art galleries. It's a really buzzing art market. Les pays du Golfe sont comme le fléau d'une balance entre l'Occident et l'Extrême-Orient. Venus d'Indonésie, de Californie, de Hong Kong, de Shanghai, artistes et professionnels se retrouvent à la jeune foire de Dubaï, un rendez-vous cosmopolite de l'art mondialisé. Les stars mondiales, elles sont connues ici aussi. Beaucoup des gens qui s'intéressent à l'art contemporain ici ont fait des études aux États-Unis, en Suisse, en Angleterre. Donc, ils connaissent ces artistes-là. Et pour eux, c'est sûr que pour exister, je pense que pour tous ces nouveaux musées, ces collectionneurs qui sont encore relativement récents, peut-être acheter une œuvre d'une star internationale, d'un seul coup, ça les fait rentrer dans le grand monde. Paris used to do photography. Thank you. And you had a little porcelain making one. Les organisateurs de la foire mêlent luxe et art sans complexe. Pour eux, comme pour leur clientèle, c'est le même monde. How are you? You look fabulous. McQueen. Yeah. Fabulous. And I'll come back. Louboutin. Yeah. What else can you imagine? Dans ce pays des mille et une nuits, rien n'est trop beau ni trop haut. À la tête d'une rente pétrolière de 520 milliards de dollars, le Qatar, un pays minuscule à peine sorti du sable, place ses capitaux et fait main basse sur tout ce qui se vend et tout ce qui s'achète. La famille de l'émir décide de tout. Ils ont mis le feu au marché international de l'art en surenchérissant à hauteur de 250 millions de dollars pour acquérir les joueurs de cartes de Cézanne. Le Qatar rafle à coups de millions de dollars les principales pièces artistiques contemporaines et finance de grandes expositions partout dans le monde. Le village de la culture de Doha est le fleuron des ambitions du palais. Il n'abrite pour l'heure que les travailleurs du bâtiment, l'araignée géante de Louise Bourgeois qui semble désolée de sa solitude, et un groupe de visiteurs étrangers égarés dans un décor de péplum. C'est l'architecte Pei, celui de la pyramide du Louvre, qui a construit ce musée pour abriter les collections d'art islamique du Qatar. À l'occasion d'une réception, nous avons pu entrevoir la jeune Sheikha Al-Mayassa, la fille favorite de l'émir, qui vient d'être consacrée la femme la plus influente du monde de l'art.
Elle a à peine 30 ans. Sur les écrans de l'exposition défile la mémoire de toute une civilisation. La caravane itinérante de l'art contemporain nous emmène toujours plus à l'est. Comme échoué sur trois gratte-ciels, le faramineux hôtel Marina Bay Sands est emblématique de la prospérité de cette ville-état de Singapour, dont les 5 millions d'habitants ont un des plus hauts revenus par tête de la planète. C'était logique, il fallait que Singapour aussi ait sa foire. C'est Lorenzo Rudolph, ancien directeur de la foire de Bâle, qui l'a créée et installée dans les dépendances de l'hôtel. Le marché de l'art explose en Asie. Ils sont tous là, les galeristes en vogue, les artistes, les collectionneurs et bien sûr les infatigables rebelles. La grande affaire ici, c'est l'ouverture d'un port franc destiné à servir de refuge aux valeurs en quête de discrétion. Nous voulons absolument le filmer. Nous connaissons maintenant beaucoup de monde. Les responsables ont cédé devant notre obstination. Et nous décrochons enfin la promesse d'une visite privée. Et c'est de nuit que nous pénétrons dans ce fameux coffre-fort idéal, cette merveille de technologie. Il est construit sur le territoire de l'aéroport, une zone qui n'est soumise à aucune taxe. Il est conçu pour résister au crash d'un avion et au tremblement de terre. Combien de chefs-d'œuvre, combien de trésors sont stockés dans ces salles aseptisées, à l'abri des regards et mieux gardés qu'à Fort Knox. Il y a de moins en moins confiance dans les monnaies. On voit encore ce qui se passe avec l'euro, avec le dollar. Donc des gens qui ont besoin de se dire qu'ils veulent mettre une partie de leur patrimoine en actifs mobiliers. Donc l'actif mobilier serait parti art, vin et métaux précieux. Donc on voit que depuis la crise de 2008, c'est un secteur qui s'est développé fortement. Les gens ont besoin de posséder et de posséder où ils savent qu'ils peuvent aller, pas posséder à travers d'une banque. Le designer Ron Arad a habillé le hall d'une sculpture gigantesque au nom évocateur, la cage sans frontières. Vous savez, il y a des grands mouvements dans l'histoire. Vous avez eu le siècle des Lumières, le 18e, qui a créé les musées, tous les principes de John Locke, de Diderot, etc. Tout l'art est venu du sud, d'Italie, d'Espagne, est remonté vers les pays du nord, vers l'Allemagne, la France, l'Angleterre. Tout venait de l'est à l'ouest, les collections asiatiques, etc. ont formé le musée Guimet, ont formé le British, nous, etc. Et nous sommes maintenant dans une phase où tout va dans le sens inverse. L'art et le Louvre va vers Abu Dhabi, tout le monde va vers Shanghai, Beijing, on va vers l'Inde, vers la Russie. Ça fait partie de ces grands cycles de l'histoire. Alors maintenant, il y a une espèce de renversement. La porte d'entrée du nouvel Eldorado où se prépare l'avenir du monde de l'art, c'est Hong Kong. Notre contact ici est un expert en art contemporain asiatique que nous avions rencontré à Singapour. Jean-Marc Técroupe reçoit ses amis et ses clients sur sa jonque. Là, c'est le nouveau quartier. C'est de,
C'est des terrains réclamés sur la mer et c'est le nouveau quartier qui s'appelait West Kowloon Cultural District, WKCD, dans lequel il est prévu 17 musées. Pour l'instant, il y a juste le panneau. Les premiers, ce sera en 2017. Et là, c'est deux bâtiments très hauts qui ont 88 étages. Donc là, c'est International Commerce Center. Et de l'autre côté, c'est International Finance Center. C'est comme deux tours qui représentent l'entrée du port de Hong Kong. Alors, à Hong Kong, depuis 5 ans, il y a un essor considérable et c'est devenu vraiment la plaque centrale tournante pour le marché de l'art de l'ensemble de l'Asie. C'est un port franc, il n'y a pas de taxes, il y a des systèmes qui fonctionnent très très bien. Et puis d'autre part, c'est une capitale financière, donc c'est là où beaucoup de gens ont leur argent. Là. Auparavant, ces régions-là étaient considérées comme la périphérie par rapport à l'Occident. Et maintenant, c'est en train de se renverser, ça va être l'Occident qui va devenir la périphérie. Donc c'est un axe, disons, Shanghai-Dubaï, et on le voit s'amorcer. Alors bon, rien n'est joué, il peut y avoir des accidents. Et puis l'Europe a encore des ressources incroyables. Il y a la foire de Hong Kong qui est devenue maintenant un peu incontournable, fait partie du circuit des grandes foires avec Art Basel, avec Miami, avec l'Armory Show et puis Hong Kong. Et puis également, donc, pour accompagner une foire, il fallait un réseau de galeries et un réseau de musées. Donc on a vu qu'il y a beaucoup de galeries étrangères qui s'établissent. Donc il y a White Cube, il y a Emmanuel Perrotin qui est où ce soir, il y a Édouard Malin qui a ouvert une galerie. Être absent d'Asie, c'est comme se mettre hors du jeu. Le soir de notre arrivée, l'Américain Gagosian, le galeriste français Perrotin et la galerie anglaise White Cube inaugurent des espaces prestigieux dans le Hong Kong central. Leur première cible, ce sont les nouveaux milliardaires chinois. Une centaine de potentats dont la fortune se compte par dizaines de milliards. Le galeriste Emmanuel Perrotin exposait l'artiste Gauze, un jeune Américain à la mode. Il a tout vendu le premier soir. Takashi Murakami est venu du Japon pour cette ouverture très médiatisée, particulièrement courue. Nous avions rencontré Jérôme Sens à Paris, où il co-dirigeait le Palais de Tokyo. Il a fait le grand saut vers l'Asie pour s'installer à Pékin. Le monde se presse à la porte cette foire, la foire d'art contemporain de Hong Kong, de manière absolument incroyable. Il y a 10 ans, qui aurait cru que l'ensemble des protagonistes de la culture, l'ensemble des galeries du monde entier, américaines, européennes, et de l'ensemble de l'Asie, aient envie d'être ici aujourd'hui. Il faut comprendre qu'auparavant, il n'y avait rien. Il n'y avait rien du tout. Nous sommes nés, je suis né, moi, avec un Louvre. J'ai grandi plus tard avec la fin de mon adolescence, avec un centre Pompidou, avec le musée moderne de la ville de Paris. Donc il y avait un centre d'outils en France. Ici, il n'y avait rien, il y a encore quelques années. Donc tout est en train de se faire, mais ça se fait à une vitesse extraordinaire, incroyable, d'une non-compréhension, d'une non-existence. Il y a aujourd'hui des outils incroyables. N'oublions pas qu'il y a quelques années encore, on ne pouvait pas écouter de musique du tout en Chine. Il fallait écouter sous l'oreiller, les livres ne circulaient pas, il n'y avait rien du tout. Donc tout ça, il y a une mutation de société considérable. Aujourd'hui, il est plus pensable d'envisager un projet international, global, sans penser à la présence d'artistes ou de créateurs chinois. François Pinault n'est pas là par hasard. Le chiffre d'affaires des maisons chinoises de vente aux enchères a dépassé celui des deux maisons historiques, la sienne, Christie's, et celle de son concurrent principal, Sotheby's. C'est la première fois que cela arrive dans l'histoire, et c'est un véritable séisme. Autre électrochoc,
sur les 100 artistes mondiaux les plus vendus, 48 sont chinois. Parmi eux, Zhang Xiaogang et Zhang Fengji sont entrés dans la liste des 10 artistes les plus chers du monde. Dans un même stand, parmi les artistes occidentaux les plus cotés, nous retrouvons les œuvres de Zhang Huan, l'artiste découvert par les rubelles. Cette accélération s'est faite avec l'arrivée des grands collectionneurs chinois qui, pour plusieurs raisons, ont décidé qu'il fallait aussi collectionner des œuvres d'art et qu'il ne suffisait plus d'être un billionnaire ayant très bien réussi dans son secteur, mais qu'en allant en Europe et en Amérique, ils se rendaient compte qu'ils rencontraient les Rothschild, qu'ils rencontraient les Pinault, les Arnault, les Rockefeller, que certains avaient des fondations, que d'autres avaient des ailes dans les musées qui leur étaient dédiés. Donc, ces collectionneurs chinois se sont dit, ben, pourquoi pas, nous aussi. Il ne suffit pas d'avoir très bien réussi dans les affaires, il ne suffit pas de valoir 2 ou 3 milliards de dollars, mais il faut aussi une dimension art pour être considéré comme quelqu'un d'important, entre guillemets, dans le monde. L'artiste français Richard Texier, très présent en Chine, nous a introduit auprès d'un grand collectionneur, Bruno Wu. Patron d'un puissant groupe de télévision, il investit à l'étranger. Il fait partie de cette nouvelle génération d'hommes d'affaires chinois qui voudraient voir s'étendre l'influence culturelle de la Chine. C'est le ciel, non? Les constellations. Ça, c'est génial. Il y a beaucoup de motifs orientaux, là. Ah oui? Dis-moi. Parce que ça, c'est sûr. C'est lucky. C'est lucky, oui. I believe that now, the government, the political leaders in China, there's a general awareness of promoting art, promoting culture, and people understand and appreciate that art and culture are a very important part of the soft power of China, and we have to respect and develop our culture and art. La veste du fondateur de la République chinoise, portée toute sa vie par Mao, est une des œuvres allégoriques du sculpteur Sui Chengguo. Plusieurs de ses créations ont été exposées à La Haye, à Francfort, au British Museum de Londres pendant les Jeux Olympiques. L'État chinois voudrait bien toucher les dividendes de l'art en poussant ses artistes sur la scène internationale. Mais le chemin ne se fait pas sans heurts. En traversant la place Tiananmen, déserte à 9h du soir, on peut se poser la question. Pour rivaliser avec l'Amérique en matière de diplomatie culturelle, les autorités chinoises sont-elles prêtes à prendre les risques qu'implique la liberté d'expression ? L'artiste Zhang Huan a participé à toutes les luttes de l'avant-garde chinoise avant de connaître un succès international. Il est retourné vivre à Shanghai, où nous allons le rencontrer. Shanghai est un chantier permanent. Une dizaine de musées publics et privés vont jaillir de ses décombres, dont le musée d'art contemporain installé dans l'ancienne usine électrique au bord de la rivière Huangpu. Pour rejoindre l'atelier de Zhang Huan, il faut traverser la grande banlieue de Shanghai
où vivent plus de 20 millions d'habitants. S'orienter dans ce dédale de chemins sans indication, errer dans cette zone industrielle désaffectée est un parcours du combattant. Notre chauffeur est à bout de nerfs, nous aussi. On nous a dit clairement que le maître ne nous recevrait pas si nous étions en retard. Son temps est compté. Dès le premier contact, c'est une évidence. Zhang Ruan est un homme hors du commun. Tout, sa démarche, son regard, sa façon de parler sont celles d'un chef. En entrant dans la salle des peintures à la cendre, nous sommes saisis. Zhang Ruan élève le personnage de l'artiste à sa grande dimension.正是因为远离了我的国家，我的土地，我才更能清晰地看到自己，看到自己的传统，看到自己的祖先的精华的东西。那个时候，等我再一次回来的时候，05年底回到中国的时候，一下就发现了这个材料，让观众自己谈。我们用了有上百张的这个牛皮。 做的这个英雄，用这样的牛皮做的，这么大的size的，不一样的造型的作品，我们做过 giant， 巨人做了三个，这个英雄做了两个，那么三个巨人的两个是 François Pinault 收藏的，一个是 Arnold， 蒙纳多 Arnold 一个，还有一个英雄是。 日本的艺术家 Pram， 那个莫尔卡米有一个，我们这边有一个。这个叫是一个小的一个模型。它的名字叫和和。和和。它叫谐谐，叫和和谐谐和谐。 En chinois, ça veut dire harmonie. Donc lui, il s'appelle AA et lui, Moni. Si un artiste contemporain ne pose pas de questions, il a aucun sens. 如果是仅仅的像传统艺术家，是愉悦人的视网膜，愉悦人的心理，这个就不成为当代艺术家。 S'il ne fait pas ça, on ne peut pas considérer que c'est un artiste contemporain. Midi pile, une demi-heure de pause déjeuner.
des étudiants des Beaux-Arts se partagent les tâches avec de simples ouvriers. Tous ici travaillent pour le maître à la manière des ateliers des grands contemporains comme Damien Hirst, Jeff Koons et Takashi Murakami. Zhang Ruan règne sur son monde. Il a un sens inné du pouvoir et il a tout compris du système.从这个历史角度，它的发展，它是不是一个严肃的画廊？第二个是要看它在全球的这个地位和影响力。第三个，它是不是真正的为艺术家服务的很好。 Plus la roue du monde de l'art tourne vite, plus il est difficile de savoir qui passera à la postérité parmi les grands artistes contemporains. À Venise s'organise la consécration de Urs Fischer, l'artiste que nous avions rencontré à New York. Un étage entier du Palazzo Grazzi lui est entièrement dédié. Et l'arrière-ban du monde de l'art déambule parmi les œuvres. L'artiste est attendu par tous, mais seule son effigie se consume au premier étage du palais. Métaphore ou vérité prémonitoire, l'artiste serait-il condamné à être décervelé par la pression du marché? Dehors, sur un banc, entouré de ses meilleurs amis, Urs Fischer, lui, se tient à l'écart et semble prendre un certain recul. En dépit des apparences, c'est lui qui détient tous les pouvoirs, lui à qui tous viennent faire allégeance. Mais que fait-il là alors que tout le monde le cherche à l'intérieur? I am inside, you know, you don't. So why should I go inside? You know, I say. People want to see you. Yeah, yeah. You can go in the zoo. If they want to see artists, they can go to the zoo. I know.